PLK. Moi qui ai perdu $600. J'ai perdu $600 en jeunesse et moi. Moi j'ai pris l'engagement. Maintenant j'ai rembourché $100. Tu as perdu 600 dollars. Oui. Tu n'as pas donné aux autres. Du fruit de la commission. Non, le problème est qui est fruit. Avec les $600 de client. Maintenant j'ai pris l'engagement, j'ai remboursé. $100, dis-moi, tu prenais pour les commissions. Le magistrat qui refuse. Non, attendez. Non, non. Là, il faut être clair. Yo, il est aussi. Bon, comme on a ma bonne nommée. Bon, ma paix, c'est que j'ai déjà bouché. Bon, ma paix, c'est que bon, combien va payer $600. Oh, Yandako. Oui. Est-ce que Mbongo Yandako, il fallait que pas courtier? Non, tu as dit que tu as payé Bayer. La présence n'a pas. La présence n'a pas. Oui. Mais il y a un pourcentage, il y a $100. Au Mona Ginda Congo? Non, il y a un gars. Est-ce que Mona Ginda Congo? Gaïna, il y a ma contribution. Non. D'accord, on a compris. C'est la présence. Tu peux rentrer. Ceci, il faut rembourser en mots. Oui. Yves Lunga Jonathan. Jonathan, qu'est-ce qu'on vous reproche? On vous a arrêté pourquoi? Au Salini. Alors, il y a un peu de maman a dit que je suis venu à Il y a des téléphones Android, il y a beaucoup de papiers. Mais pour quel vol? C'est la question que vous avez. En fait, la victime n'est pas encore venue. Je l'ai invitée, mais elle n'est pas encore venue. Il y a plusieurs téléphones. Ils sont à deux. Ils sont à deux, oui. Ilunga et Sakanga. Moïse. 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 Mami Dali. Moïse. Jean-Pierre. Moïse, il est là. Ok, ils ont un dossier. B à Jean-Pierre. B à Jean-Pierre. Francis. Saranga. Sakanga. Oui. Cherchez les dossiers de Taka et les qui a libéré quelqu'un ici pour vol qualifié. C'est qui? C'est Tal ou Teka? Tal. C'est Tal. Appelez Tal avec les dossiers. Tal. Quel numéro de dossier? 47-060. Il est où, Tal? Tal. Jody Mbombo. Il n'est pas là, Tal n'est pas là. Jody Mbombo. Hein? Il est où? Il vient lui-même avec le dossier. Oui. Jody Mbombo. Venez. Madame, vous êtes arrêté pourquoi? Commissionnaire, qu'est-ce que c'est? Ma principe, ma commission a dit non. Combien? Je sais que tout ça va être la commission. La tête qui n'a pas été. D'ailleurs, on va checker le droit à Tiki. Tout le temps, on va aller dans le retour. Il y a tout à l'heure, on va faire ça. Ce n'est pas ça, madame. Voilà ce que vous avez fait. Vous avez coloré les pieds.
et vous avez pris une partie du vrai que vous avez présenté au comptoir pour faire croire à la personne que vous aviez de l'or. Et partant, vous avez cherché des documents des douanes. Parce que vous n'en avez. C'est ça, non? Non, moi, je suis commissionnaire. Oui, commissionnaire, quand cela ne tient, c'est vous qui avez mis en contact tout le monde. C'est ça, non? Je vous connais, madame. Vous voyez maintenant? Okay. On vous connaît déjà. C'est malheureux. Bonjour. 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 Je suis retiré moto. Il y a un des bagages qui a été mis en place. Baflamé de Valence, c'est quel magistrat? Il est là. Il n'y a pas de victime, c'est l'autre juge qui l'a fait arrêter. Je m'apprête pour faire la relation. Libérer, madame. La relation. Bon, vous. Non, mais venez avec le dossier. Non, non. Écrivez déjà, il est éligible. Vous avez déjà auditionné plusieurs. Mettez-le bien. Éligible. Ok, donc. Ardi Kazoya. Ardi Kazoya. Oui, on va le poser. Polim, hein? C'est quel magistrat? Le magistrat de nom n'est pas indiqué. Hein? Mais non. Vous donnez seulement le nom. C'est Odia. Ardi Kazoya. Odia Kanyan. Non, non. Ardi Kazoya. Ardi Kazoya. Ardi Kazoya. Ayagilou. Bemba Kiala. Bemba. Oye Amdoni. Oye Lona. Yam Kibu, Sam Kibu. Obundi na nani? Olo bisi muto. Ça fonde. Oui, mais c'est 500 fois, madame. Papa, c'est ce qu'ils ont déjà. C'est ce qu'ils ont déjà associé. Mais, comme il ne dit pas ça. Depuis 10, c'est 8 000.
Mafana. Là, c'est des billets d'Hardy, là. C'est 8500 francs. Mafana. Hardy. C'est pour libérer déjà. D'accord. Pour libérer, maman. Écrit éligible. Collègue, Pelka. Pelka, vous l'entendez. Vous entendez l'autre, là. Vous-même, vous les libérez. Non, 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 il ne doit pas traîner. Ama. Ama. Merci. Vous avez dit que 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 vous avez Non, c'est, donc c'était en principe la commission. Ouais. C'est quel magistrat? La maman ici, bureau 16. Alors la maman en question, je l'avais trouvé un autre endroit. Non, non, en quelle qualité? Bon, non, là j'avais acheté. Nos frères Teke n'ont pas de, n'ont plus de terre là-bas. Moi j'avais acheté les miennes. Rentrez, rentrez. Non, non. Vous allez vous expliquer devant le magistrat. C'est quel magistrat? On avait déjà traité son... Katombe. Katombe. Maman, prends-tu. Il continue de dire que c'est une commission. Quand vous arrivez, les gens pourraient venir. On va poser des questions après. Suivant la fois, ce qui s'est passé. Katombe. On dirait pas du temps. Vendant à voler. Là, là, je t'en prie. Christian Moulumba. Christian Moulumba. Christian Moulumba, pratiquement on n'a rien écrit. Christian Moulamba, Kalamba. Christian Moulamba, on vous reproche de quoi? On a raison de moto. La samedi, il est à Bouli. Il a habité sur Bouli la bateau. Il a la bacabine, mon cousin a encore pété que la couvante avant de prendre qui tombe et t'en a qui n'a pas rien d'accord. Attends un bon whisky, quand on est en armes de la tête, c'est mal. Passez un bon train de commande. Parce que nous avons sommé le bureau pour nous en aller à Colia, à la zone à Mongo, à Yetoto, nous avons une vente à Oulpa. C'est pas comme ça qu'on a vendu. C'est qu'il est quitté, il a terminé pour nous en aller à Mongo. C'est quel message? Il n'y a pas de manifeste. C'est qui? Le chariot de tension qui vient. Il est là, il est là, il est là. Vous donnez seulement le nom. Non. Le 44e. C'est quel nom? C'est Christian Moulou. D'abord, quelle infraction? 44. Il a volé quoi? Il a eu ça hier soir. Donc, le dossier est prévenu. Vous avez la discussion ailleurs. Vous
Des processus de quoi? C'était pour les. Il devait avoir un visa de conférence au Canada. Et la facilité était. Et vous avez combien vous avez exigé pour le visa? Bon, ils avaient. Pour les démarches. Ils ont versé 2400. Si vous connaissez le prix du visa du Canada. 700 et quel est le prix du visa pour aller au Canada? Parce que moi j'en ai. Et j'en reviens. Comment vous pouvez percevoir plus de $500 pour vous? C'était pour mettre, ouvrir un compte ou quoi? Non. Quel document? J'ai assisté à une conférence. Oui, la conférence, il y a l'invitation qui est là, qui te l'a pris peut-être sur les nets. Parce que moi aussi, je peux le faire pour plus là sur les nets. Au moins, tu reconnais avoir pris le $2000. Monsieur mon procureur, d'ailleurs, nous en sommes déjà là. Tu as fait quelle demande? À la fin, Sali. Tu as fait quelle demande? Pour ma crédibilité, nous avons accepté de les rembourser et les négociations. Rembourser, est-ce que vous avez remboursé? Oui, c'est déjà fait, c'est fait déjà. C'est fait? Est-ce que vous travaillez à l'ambassade? Non, non, c'est pas alors... J'ai pas dit ça. Mais il dit qu'il lui il a remboursé. Il a remboursé combien? Est-ce qu'il a remboursé combien? On a versé 1400. Il reste quel magistrat appelle les avocats? Les avocats qu'on a. Il reste. Appelez les magistrats. Amar. Il va rester 800 quelque chose. Amar. Ça, on a payé quel jour? Nous avions accepté. Non, depuis hier. Attends, l'argent là, était déjà dépensé. C'est aujourd'hui qu'ils sont en train de compter. Appelez le magistrat. Bon, ça, on va vérifier avec vous. Votre série, votre série. Rentrez. Là, c'est qui? Il s'amolle. Amar. Il s'amolle. Oui, il va te libérer. Mais pourquoi ça te fait comme ça? C'est que vous voulez libérer cette question? Non, c'est ici, mon Esaïe. Ici, mon Esaïe. Avortement criminel. Au salaire, avortement. C'est l'hôtel. C'est l'hôtel. Il y a un azongi, et c'est lui qui a un azongi.
Alors, il y a 3 mois. 3 mois pour les mamans, c'est 1 année et 5 mois. Alors que nous offrons dans l'annexe, nous avons un gars. Si on a tongé toilette, il y a un cas, c'est un bébé. Il commet les mamans. LKN. Il y a Zapé à Bissikana. Il y a un côté. Je vais vérifier. LKN, c'est bon. Vangu. Oui, mais rien de ça. Bissé de Zoussa. Ah, ouais. Câble et l'équipe. C'est un scarré à toi. Tu vois, pas mon mauvais nom qui t'a dit. Faut tirer, c'est la guille. Faut tirer, c'est la guille. Tant que câble et la télécolo. Par reprise. Par reprise, la moutou. Il y a la valeur à faire de la première. Tu y habites. La minute sur la valeur. C'est une merde. Et ça, c'est thématique. C'est un Mercedes. Ah, Mercedes. Vous l'appelez la Mercedes. Et maman, là, il a mis ça. BKK. C'est pas où. BKK. Merci, Mani. Et là, pourquoi ma sonne. Vangu, Germain. Ton nom c'est Machon. Vangu. Et pour les maïsains, interpellez votre chef. Tu es maman, le bas qui est de Gounaï, à ça, pour qu'il y ait un magistrat. Non, magistrat, c'est qui? C'est quel magistrat? C'est LKF. LKF, il est où? Il n'est pas là. Il faut appeler. On vient avec les dossiers. Voilà, voilà ce qu'on va faire. Vous dites que vous avez. Pourquoi il n'a pas interpellé? Et puis qu'est-ce qui est tombé sur le câble. C'est une destruction involontaire. Mais vous avez dit que vous avez le document, non? Oui, le chef. Tel qu'il explique là, c'est une destruction involontaire. Ce n'est pas une destruction méchante. Bon, on va revenir sur ça. Grande sœur, na yo kangisi yo. Awa balobi, eza pona cause de blessure volontaire. Ki lo te baba. Ko beta ki e? E lo kote. Ko beta ete bo bundi pete. Na bundi pete. E lo kote. C'est l'OPJ Ngwembo. Il faut qu'il soit là avec nous. Appelle le statut Ngwembo. Ici, il y a le docteur. Ngwembo. C'est mon initial. Chit, 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 Boye bake pona bo kolongondo bwa kundu bwa nzoto bwa yo. Ye bake bazali na kisi ya force. Heye! Mukolo nzoto. Yangonde kisi ya solo solo. Mukolo nzoto aye. Yangonde zali kosunga nzoto ya ba papa. Pote libale zala elengi pe supu na nivou ya defuate. Ezali ko traite maladi lokola. Impuissance sexuelle. Ejaculation précoce. Hemorroïde. Oza mobimba awa na mukolo nzoto. Ezongi si nzoto na yo. Mobimba na force ya defuate. Okanisi mama Mika suki wana. Ten. Che mama Mika.
azo traité lissusu stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, mais yaba sorte nango nyonso. Po na bandeko oyo, bazali na ba santé déséquilibré. Onga na belaka beri beri, mwana na nganzo tezali pe na pete pete alembaka pamba pamba, yeba ke awo ezali na ba bouyi 100% bio. Tonga nzoto na niveau ya nyama, pote nzoto na yo, ezala pe na kolongone ya solo. Soko meli poto poto oyo, okozala mubimba, pe santé elengi. Neti kaka na Lola. Kote cosmétique ebiso Mama Mika, réparatrice ya loposo, po ni voisa ko traité banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado messieurs, bazali na ba produit lokola. Huile d'anana, savon anti nduta, anti tampon, anti tache, yangonde mobimba. Bazali pe lisusu na crème de beauté. Temetis, ozongi pembe chéron et puis lisi ya nyama. Gommage, bazali ko salango kitoko joli. Pomade ya suki, plus huile. Pomade Vimbovi, pona ba papa. Oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa bango bako bonga kitoko po azonga penda mubimba lokola mobali ya solo. Bazali pe na crème réparatrice anti vergeture po na basi nyonso bazali na ba problème na banzoto e kosunga bango makasi. Kasi tuna ngai nini ba kisho nyonso ezali ko traité batu ezali sans hydroquinone a kutu ata ya mukele kete ya hydroquinone ezate pe zalaka te. Soki olingo benga Maison Mika Cosmétique et Business Bio. Okogi kozwa bango na veni pozo. Numéro A17, quartier Matongé. Na komi na kalamu, référence, cabine ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo. Plus 243, 89, 98, 27, 674. Tala, bako sabinote. Maison Mika Cosmétique et Business Bio. Awa, 100% bio, pe sans hydroquinone, na ba produit na bango nyonso. C'est naturel! Chef, ngana naza tout d'abord naza mwana liboso epa na biso. Na vanga kana bandundu. Ouais. Mama kufa ateka lupango. Na lupango wana tozana mutu na mutu na porte na ina ba locataire. Lupango na kena seli 4 ans na komiko zonga na kutu lupango ya kokata. Na tuni batege na bandeko nanga bashi ba raison trop na munoko ngabi wapi par nanga na petit frère sana de manjano o bino bosala kawa tena ke na kishasa bozaka na kenge na kote ya bandundu po na bota kuna na kolela kuna na yaka ko tara bango ngabi sava bo na sima na zana locataire o yangai bachanga mo next moko po na kokosa ngai ke yaya yaka zoka mbongo. Bon, porto yanga tilelo na zoka mbongo te. Na sali na sali 3 ans na komiko zonga na moni mai na chambre mai tiao. Tolo ya kotobole. Na uyu muto mataki abime tolo. Na ke pa ya leki na ngai mata za soda. Na bi setala bi ya Pascal. Bande na biso basio bazama be. Bateka mbundi lupango li boso bapeso mbongo te. Yobe siko yo teki ndabo msusu. Na teki parti na biso po izalaki ya mabema yezo kote. O teki parti na bino. Kana lupango wane tika laki. Mikanda lupango izalaki na kombo ya nani? Mikanda lupango? Ya lupango wana. Ezea. Ndeze mama kufa, mikanda siko yo tika laki na kombo ya nani? Ezea biso nyo sobane. Bosala ki dokima msusu biaka dokima wa ya kala. Kaka wa ya kala. Kaka dokima wa kala. Me yo teki yo konsulte bande kona yote. Chef yokangai. Répondre là. Merci. Je pense que Bangote po parce que kinga nkona ko vyo yanga biloko. D'accord, na yo kizonga. Oya yo ki komo na ite atombola musafi. Oyo babengi te na bakonzi. Azali. Tombola musafi. Donc bino nyonso boleki. D'accord? Bon, to go examiner ba dossier na bino. Oyo to monike kana ye o bakangeli ye eza na infraction te. Tokotika ya kende. O beto moni ezalika ya muke. Tokopesa ye konsey. Beto tiki ya kende. Ça va? Okay. Na bango. Bazalaki bango misato. Alors na misato wana. Mi bale to tika ki puisque. Moko azana bebe. Moko aza mineur. Je te pèse en convocation pour confronter Bango Lelo. Je dis maintenant que je mais il bien qu'il y ait qui fait, il y a une confrontation.
Oui, cause et blessure volontaire. Oui, il a mis un locataire. Il a mis un peu de temps. Mais même l'hôpital va tomber un peu pour toi. Elle n'a rien pour elle. Bonjour, maman. Appelez-moi les collègues, je sais. Voilà, merci mesdames et messieurs, nous sommes ici au parquet de grande distance de Kalamou, hein, le grand distance de Kalamou, là où le procureur général du parquet général de la République, avec les magistrats du parquet général sont venus vérifier tous les dossiers avec tous les détenus. Parce que, comme nous avons dit que la justice élève une nation, nous allons commencer à vérifier tous les dossiers, tous les contentieux. C'est pour cela que nous avons contrôlé à Moko. Yo Salinine, Yo Salakinine. Parce qu'il a été reproché que le prison central est rempli d'un dossier inutile. C'est pour cela, bon, après vérification de tous les dossiers de tous les détenus au cachot, ils vont procéder, le procureur général, avec ses magistrats, du parquet général, entre autres, magistrat Ndoumba, procureur Ndoumba, procureur général, Agé Ndoumba, Agé Tchamala, vont procéder à la délibération. Pourquoi la délibération ? Tu as fait quoi au Salaginini, pour ne pas remplir les prisons dans le Blingue Zangatine. Voilà, merci. Tout ça, le podium du peuple, tout ça, le micro, il y a Jérémy Louemba, tout ça, pour la République, pour aider la nation, pour aider la population congolaise. Merci. Tanga dossier ya moko na moko. Hein? Awa, tout à l'heure, tu as libéré 12. Au total, il y a un bango, il y a un gravité. Et puis, tu as dit moko na bino awa, azali na malade. Malade, il y a un pox. Hein? Oh, ils allaient variole de singe. T'as isolé hier. T'as bengi pe ambulance. Ils ont même aller sikoyo na hôpital. Ça va? Voilà. Alors, hier ils allaient Monsieur Mukendi Kapemba. Aza déjà libanda. Je vais aller. Abima, Liben, Abima. Bima déjà, Libanda. Baninga, oh, Bazalagi, Pembe, Ninaye. Hein? Bakomi annoncé par la procureure.
de manière que le procureur peut avoir la précaution, atia bango na disposition ya hôpital Vijana oyo muninga zo kende ambulance zo ya siko po ba memaye. Ça va? Bon, à part hier, totangi dossier ya monsieur Molembe Ikoko Azawabi. Molembe Ikoko, eza yo? Bima. Dossier na auto bengi yango na communication na parquet général. To bimisio parce que au sali mikolo e belé awa à côté depuis le 3. Ça va? Dossier de bengi na parquet général, mais parquet etindi dossier na été. Yango to bimisie dossier e kolanda. To tangi kaya monsieur Vangu Germain Telema. Monsieur Basika Katoto. Monsieur Soki Mwanza Didier. Bozaba Jean Yasnel. Bokende yiko sala musala. Pona kobongisa kable. Kable wana yere katani ekwei. Kokwea kable ekwei ezwi paraprise. Yamutuka Mercedes. Ebebi si paraprise wana. Ça va? Awa, magistrat arrêté naki, destruction méchante. Mais biso de Monique ezali destruction involontaire. Ça va? Il a eu destruction moko involontaire. Mais elinge lo bate ke boko futate. Snell, atinda ki bino, na bino boko prendre ba précaution pour na bo futa kable abatu. Mais ezali li kabote boza na kacho. Ça va? Bobima. Cinquième cas, Ezalika ya Isomo Iyanza. Isomo Iyanza, c'est la dame qui est là, si on peut la faire sortir. Isomo. Voilà. Tomoni, tu examines Kanayo. Bazaliko poursuivre pour la tentative et avortement. Balobi yo zwagi kisi, olingi yo pesa na mwana, pon na mwana asala avortement. Me kisi yango, ndenge magistrat explique biso, o pesa ki mwana te. Ça va? Zemi ezali. Mais, totiki yo, ndenge ozali pe na maladi, ça va? Totiki yo okende, parce que o sala ki debi a exécution te, par rapport à l'infraction bazo landela yo. Ça va? Ok. Suivre yo pour un habit de confiance. Hein? Dernier domaine, le dossier préjudice. C'est-à-dire, préjudice oyo, il y a infraction, bazali ko poursuivre yo, ezali ya 800 francs congolais. 800 francs congolais, ezali mouke. Ezali donc minime. Mais infraction, ezali. Infraction ezali, mais to bengi yango fe benin. Yango to tiki yo pona okende. Mais ko sala kalisu bongo te. Ça va? O futa pe 800 francs batu. Kaname, tu dois proposer au chef. Fouza vouzi. Bazali ko poursuivre yo pona escroquerie. Hein? Mais yo pe wangani. Ko salagi makambo wana to moni pe na dossier na yo preuve moko ezate. Yango to tiki yo okende. Mais soki batu wana baye na ba preuve bo continue ka ko samba, ça va? Mais état o lelo preuve moko ezate yango to tiki yo. Obima okende. Monsieur Odia. Odia Kanyanda. Odia. Odia Kanyanda. Yo ba fundi yo parce que bafle ya moto ebungi. Ça va? Bazolo ba bafle on la ebungi na maboko na yo, c'est-à-dire yo mutu o ibi yango.
mais baffle ya moto et ça quand même baffle moko et ali Benin ya ngo de tukiyo okende mais bon continuer à ressembler. Monsieur Mukendi Kapeta. Mukendi Kapeta, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont malades. Donc, on mettra à disposition à l'hôpital. Mutuyasuka, monsieur Zola Makusa Sansar. Wapie. Bon, il y a des gens qui sont mineurs. Hein? Mais au samba, il n'y a pas de juge naturel. Ça va? Tu sais, si tu as un kabola, tu as un dossier de Ngezali, tu as un moninga, tu as un yoko, tu as un mineur. Tu n'as pas de juge naturel. Mais tu as un meli awa, tu as un kiyo. Ok. Bozali, nous avons 54 détenus. Dans 54 détenus, nous avons 12. Ça va? Nous avons 42 détenus. Nous avons 6 détenus. Parce que l'équipe de magistrats est en train de se faire. Appelé sur le lobby pour nous avoir un dossier. Ya ba dossier mususu o etikali. Ça va? Je n'ai pas de soucis. Allo, ba? O alinga allo, ba? Deux personnes, hein? Tel marakuna, allo, ba? Je n'ai pas de soucis. 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 Je Pinaza diabétique. Combo. Ma femme. Ma femme. Ma femme Madakis. Ma femme. Oui. Na responsable. Nga mon sel pona bunda. Na résoudre la situation ya clientanga. Client yemo ko lobe lobe que non a retiré plainte. Bon que ne pose obé la diabétique que je sois nayo. Ce qu'en car c'est nga wa. Na ko solution ya makamune ndingi. Problème exacte. Lobby ba magistrat ba continuer ko tanga dossier na obé zali na kati. Il y a un dossier pour examiner le lobby. Merci vraiment. Allez. Chef ici. Votre visite, la raison d'être. Oui, au fait, vous avez suivi dernièrement, la semaine passée, le procureur général près la Cour de cassation avait effectué une descente. C'était dans notre office, au parquet général de la Gombe. Et vous avez suivi à la télévision, l'objectif était d'inspecter le magistrat et surtout de voir l'état de détention des détenus qui sont dans les différents cachots. Et nous relayons au fait les instructions que nous avons reçues de la hiérarchie. Comme nous avons été visités par la hiérarchie et à notre tour, nous sommes descendus dans les offices qui dépendent de notre ressort. Nous avons choisi d'habiter cette inspection au parquet de grande instance de Kalam. Et nous avons visité le cachot. Nous avons constaté au total il y a 54 détenus au cachot. Vous voyez l'état de ce cachot-là. Ça ne convient pas par rapport au nombre de détenus. Nous avons libéré 11 cas, disons 12 cas. Et parmi les 12 cas, nous avons constaté même un détenu qui souffre de la maladie Mpox. Le malade a été évacué d'urgence au centre Vijana pour suivre les soins.
Et nous avons libéré les autres, au total 11 détenus, surtout pour les cas bénins ou pour les cas civils qui ne sont pas, qui ne relèvent pas au fait de l'instruction du parquet. Et nous avons aussi trouvé un cas d'un mineur qui n'a que 14 ou 15 ans et nous l'avons libéré également. Et le magistrat qui m'accompagne, il va rester pour poursuivre ce travail-là jusqu'à demain. Parce qu'à part les 12 cas que nous avons libérés, le magistrat va continuer pour les autres cas. Nous avons débuté avec le parquet de grande instance de Kalamu, compte tenu des dénonciations que nous avons reçues. Et nous allons encore continuer dans le parquet près les Trupins pour voir comment fonctionne ce parquet. Voilà l'objectif de notre mission. Nous avons été avec l'équipe qui m'accompagne en visite, en inspection, une inspection en quelque sorte improvisée, parce que nous devions voir la situation des détenus au niveau de votre amigo, et je me suis fait accompagner le magistrat de mon office pour inspecter votre amigo. C'est compte tenu des différentes dénonciations que nous avons reçues dans notre office. Nous venons effectivement d'effectuer le contrôle. Et nous avons vu ce que nous avons vu. Mais comme aîné, je vous donne un conseil. Partant de mon expérience, peut-être beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Moi, j'ai évolué au parquet de grande instance de Matete. Peut-être, je fais 13 ans comme substitut. 13 ans. C'est pendant mon 14e année que j'ai été nommé comme premier substitut. C'est-à-dire, nous avons eu le temps de voir tout ce qui se fait dans notre corps. Partant de mon expérience, je résume à vous donner ces conseils. Pendant l'exercice de votre fonction comme magistrat, parce que le magistrat, nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Un magistrat qui commet l'infraction, on peut l'arrêter et l'amener à la prison. Je crois, vous savez, il y a des magistrats qui ont été arrêtés et condamnés. C'est-à-dire, nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Les conseils que je vous donne, vous allez observer trois choses dans l'exercice de votre fonction. Tout acte que vous aurez à poser, il faut vous mettre à l'esprit que cet acte soit conforme à la légalité. Qui dit la légalité, c'est-à-dire le respect de la loi et des différents actes réglementaires, y compris les instructions de la hiérarchie. Ça va? Oui. Je peux donner un exemple. Un magistrat qui va arrêter pour des faits civils, c'est-à-dire vous êtes en marge de la loi. Parce que dans votre mission d'officier du ministère public, vous ne pouvez arrêter que conformément au principe de la légalité
Et tout juriste, tout magistrat connaît ce principe. Nullum crimen nulla poena sine lege. C'est un principe qui doit entrer dans la tête de tout magistrat. J'insiste sur la légalité. Le deuxième principe que vous aurez à retenir, c'est le principe de la régularité. Vous allez voir dans les actes que vous posez, est-ce que cet acte est régulier? Et là aussi, je peux donner un exemple. Le magistrat, vous avez le pouvoir d'arrêter, n'est-ce pas? Mais pour arrêter, un exemple que je donne, vous devez soumettre le rapport à votre procureur qui doit viser votre rapport. Mais vous vous arrêtez sans soumettre ce rapport. La légalité, oui, c'est conforme. C'est par rapport à votre mission de magistrat. Mais vous avez péché par rapport à la régularité. Ça va? Et là, la sanction, c'est par rapport aux notes circulaires de la hiérarchie. On peut vous sanctionner par rapport à ça. Ça va? Donc, principe de la légalité, principe de la régularité. Et le dernier principe que vous devez avoir à l'esprit, c'est le principe d'opportunité. Est-ce que c'est opportun que je pose cet acte? Vous devez vous demander, l'acte que je pose ici, est-ce que c'est vraiment opportun? Je peux encore donner un exemple. Est-ce que vous êtes tenu d'arrêter à tout prix? Vous n'êtes pas tenu. Parce que, on dit, même sur le plan de la Constitution, l'arrestation, d'abord c'est la liberté qui est le principe. L'arrestation est une exception. Et là, on vous donne cette marge-là d'apprécier parce que vous êtes magistrat. C'est alors que vous allez faire appliquer le principe d'opportunité. Est-ce que pour ce cas ici, parce que c'est vous qui appréciez, dois-je nécessairement arrêter? Si, dans votre exercice, dans les fonctions que vous exercez comme magistrat, vous tenez à l'esprit les trois principes-là, vous verrez que vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas de problème si vous respectez les trois principes. La légalité, la régularité, et l'opportunité. Et je vous conseille à intégrer ce principe-là, les trois principes, dans vos attributions au ministère public. Et ça va vous aider. Ça va vous aider. Le deuxième message, et le dernier pour moi, c'est par rapport à la note circulaire. La hiérarchie, le procureur général près la Cour de cassation a signé le 30 avril 2024. Vous savez que conformément à la note circulaire qui est abrogée par celle-ci, nous, le parquet, on avait à titre exceptionnel le pouvoir de réinstaller. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu un jugement, on a exécuté. La personne contre laquelle le jugement a été exécuté, s'il vient s'installer de force, le parquet avait, à bon droit d'ailleurs, la mission de réinstaller. Parce qu'il faut remettre l'ordre public qui a été perturbé, n'est-ce pas? C'est sur base de ça que nous avons ce pouvoir-là de réinstaller. Mais aujourd'hui, compte tenu des abus, notre chef
qui est le procureur général près la Cour de cassation, a pris la décision. Plus question pour le magistrat du parquet de réinstaller. Donc, tous les dossiers qui concernent la réinstallation, nous devons maintenant nous conformer à la nouvelle note circulaire de la hiérarchie. Si vous trouvez qu'il y a des infractions qui sont commises, telles que l'occupation illégale, c'est par rapport à ces infractions-là que vous instruisez. Si vous trouvez qu'il y a des cas de rébellion, c'est par rapport à ces infractions-là que vous instruisez. Vous pouvez arrêter par rapport à ces infractions. Mais plus question de prendre des réquisitions pour installer les gens. Je crois que le procureur qui a reçu, parce que le courrier nous a été adressé et nous avons répercuté à tous les chefs d'office. Donc c'est le deuxième message que je tenais à vous le dire. Voilà. Si l'avocat général M2M, le superviseur de parquet de Calam, a un message à donner, c'est l'occasion, il peut toujours la donner. Donc nous, on était venu vous présenter le procureur général parce que vous ne le connaissez pas, moi vous me connaissez. Je suis toujours là avec vous. Et cette fois-ci, sachez que tous les jours, père, je serai là. Parce qu'on m'a fait des reproches pour dire qu'en fait, vous êtes devenu un tribunal de travail. C'est ce qu'on a écrit sur les réseaux sociaux. Vous êtes devenu un tribunal de travail, vous êtes devenu des juges de paix, vous faites signer dans tous les dossiers des protocoles d'accord. Non, signer un protocole d'accord qu'on fasse, ça, ce n'est pas votre travail. Moi, je vais venir avec mon équipe faire mon travail. Et en exécution de l'ordre de M. le procureur général. Pour aujourd'hui, sachez que quand vous arrêtez, c'est bien beau. Mais le jour où vous serez arrêté, vous connaissez les conséquences. Donc je n'ajoute rien. Les cachots là appartiennent au procureur de la République. Ce sont cachots. Tout ce que vous posez comme acte là-bas, sachez que ça va retomber sur lui. Et quand nous reviendrons cette fois-ci, parce que vous êtes avisé, et que nous trouvons que vous avez arrêté pour des faits civils, nous sommes partis avec vos dossiers. Nous allons les étudier. Si vous avez arrêté sur le fait civil, personnellement, je vais faire un rapport pour qu'on puisse vous interdire. Si le procureur général estime qu'il ne va pas prendre cette décision-là, c'est son problème. Mais moi, je n'hésiterai pas de le faire. Je ne voudrais plus qu'on m'insulte pour vous. En tout cas, je voudrais faire exception. Moi, je vais faire exception dès demain. Qu'on insulte tous les magistrats, mais pas moi, pour vous. Vous êtes avisés. Merci. Merci beaucoup pour toutes les instructions. Je ne sais pas, je veux quelque chose. Hein. Je viens de remarquer que la plupart des magistrats, donc les magistrats, femmes comme hommes, sont mal habillés. C'est un corps d'excellence. Un magistrat est craint partout. Par ricochet, de part et à travers sa façon de s'habiller. Les femmes, habillez-vous décemment. Les hommes, venez chaque jour en tenue de ville et propre. Même si vous avez une seule veste, repassez-la très bien. Sauf les samedis. Les samedis, vous venez comme vous voulez, mais pas nu. Et les samedis, comme vous voulez. Et surtout, il faut respecter l'heure d'arrivée au travail. C'est très important. Demain, nous serons là à 7h30. À 7h30. Donc, celui qui viendra après 9h30 rentrera chez lui à la maison. Donc, une façon de dire, collègue, quand vous vous retrouvez devant un justiciable qui est bien habillé comme moi, écoute, il vous domine. Ne vous laissez pas dominer. Vous devez prendre ce qu'on dit. Vous prenez pouvoir parce que vous avez le pouvoir. Si la personne qui comparaît devant vous, vous ne pouvez pas venir comme les collègues là, habillés en t-shirt. Mon chauffeur est bien habillé que vous. Je m'excuse, collègue, de vous dire. Ce n'est pas le magistrat. C'est un journaliste. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est la presse. Je m'excuse là. Je m'excuse parce qu'il y a des choses qui
Merci beaucoup, monsieur le procureur général. Nous venons de suivre avec attention toutes les instructions. J'ai été réuni ici pour recevoir ces instructions, donc la ligne de conduite tracée par vous, afin que nous puissions faire un grand effort pour pouvoir mettre cela en application. Et rassurez-vous que tous les collègues de magistrats ont suivi ce que vous venez de dire. Et moi-même, ensemble avec eux, nous allons conjuguer un grand effort pour mettre en application tout ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, monsieur le président. Sous-titrage Société Radio-Canada.